Bonjour, bonjour, bienvenue sur 2S Vision. Aujourd'hui, on va parler de la CAN Égypte 2019. On va parler des équipes qui ont déjà validé leur participation au 8e de finale. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à 2S Vision et merci de commenter, de liker et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. C'est parti! On commence par le groupe A. Le groupe A qui est composé de l'Égypte, Zimbabwe et la République démocratique du Congo. Dans ce groupe, l'Égypte est déjà qualifiée avec 2 victoires. On a le deuxième de ce groupe, l'Ouganda. L'Ouganda qui a un match nul et une victoire qui marque 4 points. Le Zimbabwe revient troisième dans le groupe avec un match nul et une victoire. La République démocratique du Congo qui est déjà éliminée avec 2 défaites. On passe au groupe B. Le groupe B qui est composé du Nigeria, le Madagascar, la Guinée et le Burundi. Dans ce groupe, on a le Nigeria qui s'est qualifié avec 2 victoires. Et à la deuxième position, on a le Madagascar qui marque 4 points, une victoire et un match nul. On a troisième position, la Guinée qui marque une défaite et un match nul. Quatrième de ce groupe, on a le Burundi. Le Burundi qui a 2 défaites de ce groupe. Maintenant, ce qui est sûr, si la Guinée arrive a marqué 3 points, va conserver sa place de 3e du groupe et il va participer au 8e de finale de la CAN Égypte 2019. On passe au groupe C. Le groupe C qui est composé de l'Algérie, le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie. Dans ce groupe, on a déjà l'Algérie qui est déjà qualifiée avec 6 points. On a le Sénégal en deuxième position qui marque 3 points, une victoire et une défaite. Le Kenya aussi en égalité avec le Sénégal qui marque une victoire et une défaite. On a la Tanzanie qui est presque éliminée avec 2 matchs, 2 défaites. On passe au groupe D. Le groupe D qui est composé du Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et Namibie. Dans ces groupes, on a le Maroc qui s'est déjà qualifié avec 6 points de victoire. On a la Côte d'Ivoire qui marque 3 points, une victoire et une défaite. On a l'Afrique du Sud en troisième, l'égalité avec la Côte d'Ivoire qui marque une victoire et une défaite. On a Namibie qui est éliminé avec 2 défaites. Maintenant, ce qui est sûr, si entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, au 3e journée, si l'un arrive à marquer 3 points, va prendre la place, la deuxième place, et l'autre prend la troisième place. Au groupe E, rien n'est encore joué, c'est juste on peut se dire que le Mali s'est qualifié avec 4 points, un match nul et une victoire. On a la deuxième position, Tunisie, qui marque 2 points, 2 matchs nuls. On a la troisième position, on a l'Angola qui n'a pas encore joué sa deuxième journée. La Mauritanie aussi qui va jouer sa deuxième journée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de partager la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de commenter, de mettre en commentaire vos impressions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.